Le plus illustre des inventeurs chalonnais, Joseph Nicéphore Niépce, naît le 7 mars 1765 dans cette maison, située rue de l'Oratoire, dans le centre-ville de Chalon. On va évoquer Niépce, donc ce personnage assez complexe. C'est le fils d'une famille de notables de Chalon-sur-Saône, donc qui a une éducation qui fait ses humanités, qui maîtrise bien le grec, le latin, qui se destine à un moment donné à la prêtrise. Alors, il fait l'école de l'oratoire ici à Chalon-sur-Saône et puis ensuite à Angers. Et puis arrive la Révolution française et il part avec l'armée, donc il fait une belle carrière militaire, d'ailleurs il est lieutenant pour la campagne d'Italie. Et il est réformé, alors pour une raison relativement cocasse quand même pour un inventeur de la photographie, il est réformé pour mauvaise vue. Donc on va lui fournir des lunettes, voilà, qui sont présentées ici, qu'on appelle des conserves à l'époque, parce que ça permet de conserver la vue. Donc suite à cette réforme, Niépce revient donc dans la région, il s'installe dans une propriété assez importante à Saint-Loup-de-Varenne, à 7 km de Chalon-sur-Saône, et c'est là qu'il va donc se définir avec son frère Claude comme inventeur, et il va travailler dans des directions multiples. C'est dans cette maison que Niépce a fait l'intégralité de ses recherches, avec daguerre notamment, plusieurs fois deux semaines. Il habitait à Chalon pendant l'hiver, mais passait l'essentiel des saisons ici. Elle était à l'origine achetée par son grand-père, ce qui fait qu'il a suivi cette façade toute sa vie. Moi j'y suis arrivé en 1999, la maison était allouée. Et donc immédiatement, j'ai eu l'envie d'en faire un musée. On a reconstitué les procédés avec le CNRS à l'intérieur de la maison, retrouvé l'endroit de la première photo. Et puis depuis 10 ans, on souhaitait regrouper le plus possible d'objets de Niépce, s'il en restait, à regrouper. Et c'est chose faite, ça sera pour les 10 ans de la maison Niépce, la présentation d'une très très belle nouvelle collection d'objets Niépce. Nous sommes ici dans la pièce et dans les lieux mêmes où Claude et Nicéphore Niépce ont travaillé à l'essentiel de leurs inventions en dehors de la photographie et notamment du pyréolophore, le fameux moteur de propulsion pour les bateaux. Et on verra que leurs travaux sur la photographie se déroulent aux étages supérieurs. Il faut resituer cette invention majeure des frères Niépce, donc Claude et Nicéphore, dans son contexte humain, scientifique et politique pour mieux comprendre le pourquoi de cette invention. Le problème pour eux, bien sûr, étant fils de notables, c'est de ne pas être trop inquiétés à la Révolution. Donc ces gens s'engagent dans l'armée dès 1789 pour Nicéphore et dans la marine un peu plus tard pour Claude, pour se dédouaner politiquement. Donc étant dans la marine et en tenant compte de leur formation d'un niveau d'ingénieur, plutôt mécanicien pour Claude et plutôt chimiste pour Nicéphore, ces gens-là sont sur des bateaux et constatent que bien sûr la propulsion maritime est très, très inefficace avec les voiles, les rames, etc. Donc ils ont l'idée, dès 1795, de construire, d'inventer un principe moteur entièrement nouveau, uniquement pour les bateaux. Donc cette invention, ils la nommeront d'un curieux néologisme, ils l'appelleront le pyréolophore. Et il faut faire un petit peu d'étymologie si on veut se souvenir de ce nom. Pyre, en grec, c'est le feu. Éole, c'est l'air. Et fort, ça veut dire qui porte. Donc si on traduit ce mot en français moderne, ça veut dire qui est propulsé par de l'air dilaté par le feu. Traduction plus moderne, moteur à explosion. Le terme moteur à explosion est un petit peu impropre. On devrait dire à combustion interne. Nos voitures, y compris, ne sont pas des moteurs explosion, mais à combustion interne. C'est un petit peu différent physiquement.
Les frères Niépce se sont donc engagés dans la campagne de Sardaigne, entre autres, sous les ordres d'un certain Napoléon Bonaparte, donc en 1793. Ils avaient Nicéphore à 28 ans à l'époque. Donc nous sommes ici devant le banc d'essai des frères Niépce, c'est-à-dire que parmi leurs inventions, ils inventent le concept de réglage d'un moteur sur un banc d'essai. Donc leur principe moteur est d'une simplicité extrême. Leur idée, c'est bien sûr d'utiliser l'énergie d'une explosion et de se servir de cette énergie pour chasser de l'eau derrière un bateau. Donc, ils inventent en même temps la propulsion par réaction. Donc, ils associent la puissance d'une explosion et la propulsion par réaction. Le carburant de l'époque, ils n'ont pas beaucoup de choix, il n'y a guère que de la poudre. Les explosions, pour eux, c'est poudre. Alors, on ne peut pas utiliser la poudre à canon, puisque son inconvénient est que pour être efficace, elle doit être concentrée et à l'abri de l'oxygène. Et donc, ça n'est pas possible sur un moteur. Donc, à travers leurs travaux, ils découvrent eux-mêmes que pour être efficace, la substance explosive doit être le plus homogène possible, la plus dispersée possible dans une cuve, et avec un maximum d'oxygène. L'oxygène dont on connaissait à peine l'existence. On pensait que l'air à l'époque était un seul élément. Donc ils commencent comme carburant avec de la poudre de lycopode. Le lycopode, c'est une spore de fougère utilisée à l'époque dans des effets de théâtre qui est très explosive. Donc, ce carburant, on a la réserve ici, ça c'est le réservoir, donc le baril de poudre. Par un système très ingénieux qu'on n'a pas reconstitué ici, une dose de poudre tombe au bon moment là en bas, et dans ce cylindre-là, on a un soufflet, donc c'est l'équivalent d'une pompe à injection. Là aussi, par un synchronisme mécanique, le soufflet va pousser cette petite dose de poudre dans ce cylindre, à l'horizontale. Ici, au contact d'une mèche lente, cette poudre va s'enflammer. Et avant d'exploser, elle arrive dans ce cylindre-là. Alors, il faut imaginer que toute la partie centrale est à l'intérieur du bateau au sec. Et que le grand tuyau que vous voyez ici, jusque-là, se trouve sous le bateau, à l'extérieur donc, et donc plein d'eau. Je reviens à mon explosion qui se fait dans cette cuve. Donc, l'explosion dans une enceinte fermée provoque une augmentation de pression très importante et on va utiliser cette augmentation de pression, on va la faire passer dans ces tuyaux et on va chasser l'eau par un réacteur derrière le bateau. Et le bateau, par son impulsion, va avancer donc par le principe d'action et de réaction. Alors leur génie n'est pas tellement dans le principe, qui est très très simple, il est justement dans la synchronisation de toutes ces fonctions, c'est-à-dire délivrer la bonne dose de poudre, enclencher le soufflet au bon moment, balayer les gaz brûlés qui remontent par cette cheminée au bon moment, donc la synchronisation de toutes les fonctions d'un moteur. Et cette synchronisation, ils la font, on le voit sur cette planche, au moyen de leviers, de poulies, de bielles, de courroies, de chaînes. Et leur génie est justement là, c'est d'avoir pu synchroniser toutes ces fonctions. C'est ce qui fait que ce mécanisme est le premier qu'on a pu qualifier de moteur, l'adjectif moteur, parce qu'il fonctionne en cycle continu sans intervention humaine. On s'est interrogé longuement sur la présence de cette cuve, sur les plans, et en analysant bien, on s'est rendu compte qu'en fait, cette cuve était spécifique au réglage, à la mise au point du moteur sur le banc, c'est-à-dire qu'elle servait au banc, dans cette pièce-là, à recevoir l'eau refoulée par le moteur. Bien sûr que sur le bateau définitif, cette cuve n'existe pas et ces tuyaux servent directement de propulseur. Alors les frères Niépce utilisent cette cuve en leur adjoignant un flotteur et suivant la hauteur où va remonter le flotteur après une explosion, on a une idée quantitative de l'énergie donnée par leur explosion. Ça leur permet de faire de la mise au point au banc. En 1807, les frères Niépce obtiennent le brevet du pyréolophore. Ils ont déjà dépensé énormément d'argent pour la mise au point de ce prototype. Et on fait déjà des emprunts et espère, en vendant ce brevet ou en vendant ce moteur, retrouver un équilibre financier. L'avenir nous montre qu'il n'en est rien et qu'ils ne pourront jamais vendre ce brevet. Et en 1817,
il tombe dans le domaine public. 10 ans de brevet, donc on ne pourra plus le vendre. Et là, l'argent commence à manquer, on peut presque commencer à parler de faillite et de ruine. Alors là, deux événements. Claude part en Angleterre pour essayer de vendre ce brevet aux Anglais. Et Nicéphore travaille sur d'autres inventions. À l'époque, il ne faut pas oublier qu'il y a le blocus continental, donc les denrées n'arrivent plus très bien en France. On manque de colorants pour l'armée, on manque de coton. Donc les gouvernements lancent des concours largement dotés. Donc les frères Niepce se jettent sur toutes ces concours, ces propositions d'invention, et à chaque fois réussissent. Alors notamment, on peut citer dans leurs inventions majeures l'extraction de l'indigo à partir de la plante pastel, qui permettait de faire un colorant pour l'armée. Mais il s'avère que cette invention n'avait pas un très bon rendement financier, il fallait planter d'énormes surfaces pour obtenir très peu d'indigo, donc ceci tombe à l'eau. On manque en même temps en France de coton, donc de fibres pour faire des tissus. Et les frères Niepce apprennent que si l'on utilise l'asclépia de Syrie, on peut en extraire une fibre. Donc ils plantent beaucoup d'asclépia. Ils en extraient des fibres après tout le travail de tissage, de rouissage de ces fibres. Et il nous reste encore aujourd'hui des chaussettes qui sont tissées en fibres d'asclépia, qui sont dans la collection Jeannine Niepce d'ailleurs. Ceci dit, il n'arrive pas non plus à vendre ce brevet. Nicéphore travaille aussi sur le giromon, on manquait de fécule, donc il trouve un procédé chimique pour extraire de la fécule du giromon. Là aussi, il n'y a pas eu de suite, ils n'ont pas gagné d'argent. Il trouve un moyen d'extraire le sucre de la betterave à sucre. Il améliore la draisienne en lui adjoignant un guidon, une selle réglable. Ils travaillent aussi beaucoup sur les pierres lithographiques, c'est-à-dire qu'ils ont une commande d'une société savante de Paris qui voudrait des pierres lithographiques. Donc Nicéphore passe un an à rechercher en Bourgogne les pierres calcaires les plus fines pour faire ces lithographies. Le concours de ces pierres lithographies était doté de 600 francs, 600 francs de l'époque, hein, il faut multiplier par 3 pour avoir la somme en euros aujourd'hui. Et quand il envoie les résultats de ses recherches, il reçoit, on l'a toujours, une lettre de remerciement, voilà, et tout ce qu'il a gagné. Une autre invention majeure aussi, c'est la pompe hydrostatique. C'est-à-dire qu'un concours avait été lancé pour remplacer les pompes de Marly, défaillantes. Il fallait remonter de l'eau à une très grande hauteur. Et les frères Niepce se proposent un projet tout à fait original et tout à fait génial d'une pompe qui fonctionne sans énergie originale, sinon le débit d'une rivière. Mais là, ils mettent trop longtemps à mettre au point, et quand ils présentent leur projet à Carnot en 1809, c'est trop tard, l'empereur a déjà décidé de mettre une machine à vapeur. Donc les frères Niepce n'ont jamais gagné un seul centime de toutes leurs inventions, hein, et même Claude, qui est parti en Angleterre, ne parviendra pas à vendre ce brevet. Aux yeux de ses contemporains, il passe un peu pour un décalé, hein, pour un savant fou. Et ça, c'est le grand problème de sa vie. C'est-à-dire que, notamment dans les journaux de l'époque, on dit « Ah, voilà, Niepce, ce doux rêveur ». Et malheureusement, voilà, c'est un piètre communicant. Il reste assez isolé ici en Bourgogne et il n'arrive pas à ouvrir les portes des communautés scientifiques, artistiques ou politiques. Donc, il va petit à petit... s'endetter, il va faire des dépenses, vendre des propriétés. Quand son frère part en Angleterre, eh bien, il continue à l'encourager, c'est-à-dire à lui envoyer régulièrement des sommes d'argent assez importantes. Et puis quand il va à sa rencontre donc en Angleterre, il s'aperçoit que son frère est complètement dément. Il se lance dans des recherches sur le mouvement perpétuel, notamment pour ce qui concerne le moteur. Et il s'aperçoit qu'il a tout perdu et que c'est la ruine pour toute la famille. Malgré tous ses insuccès, Nicéphore le chimiste garde en tête une idée qu'il aurait eue lors d'un séjour passé sur l'île de Sardaigne en 1798, la photographie. Mis en parenthèse durant ses études pour le pyréolophore, ses travaux débutent véritablement en 1816 avec la caméra obscura, aussi appelée chambre obscure.
Niepce s'inspire de la camera obscura, c'est-à-dire la chambre obscure, utilisée par les peintres bien avant lui, entre autres Léonard de Vinci, Canaletto, donc qui est muni d'une optique, d'une mise au point rudimentaire, et qui permet, sur un verre dépoli, d'obtenir une image du paysage fugitive qui permettait de faire l'esquisse du tableau. Phénomène premier de l'histoire, avec l'évocation de la caméra obscura. Donc, c'est un phénomène qui a été observé, constaté, décrit dès l'Antiquité par Aristote. On a une ouverture au départ, c'est ce qu'on appelle le sténopé. Donc sténos en grec, ça veut dire étroit, opé c'est l'œil. Donc la lumière va rentrer par cette ouverture et elle est stoppée sur les parois intérieures d'une chambre dans laquelle Aristote va observer le phénomène. Alors ici on a un dispositif qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que l'on a une optique qui se trouve derrière ce rideau translucide. Donc le rideau va stopper cette lumière qui sera beaucoup plus soutenue, beaucoup plus concentrée par la présence de l'optique. Niepce se fait donc construire une chambre obscure exactement de ces dimensions-là, munie d'une optique évidemment, dans laquelle il va placer le papier recouvert de chlorure d'argent, qui est à l'époque le produit le plus photosensible, donc qui noircit à la lumière. On est en 1816. Et Niepce, comme beaucoup de chercheurs en Europe, place sa chambre obscure devant le soleil. Et au bout d'un temps important de pause, en ressortant les preuves, constate qu'il n'y a rien sur les preuves. Les autres chercheurs abandonnent le procédé, pensant qu'il n'y avait pas d'avenir. Et Niepce, par chance ou par malchance, laisse tomber cette chambre obscure et casse l'optique. Et pendant tout le temps qu'il faut pour racheter une optique chez Chevalier à Paris, eh bien, travaille et pense à utiliser un baguier, c'est-à-dire une petite boîte à bijoux en guise de chambre obscure, qu'il munit d'une optique de microscope de son grand-père. Et il continue les essais avec ce baguier et il obtient des résultats, c'est-à-dire que le papier sensible est imprégné, mais les parties qui reçoivent la lumière ont noirci et les parties qui n'ont pas reçu de lumière sont restées blanches. C'est donc un négatif. C'est le premier négatif de l'histoire. Et la caractéristique, c'est que les premières photos, en fait, sont des tout petits formats. Alors, par contre, on ne peut pas appeler ceci photo, puisque, bien sûr, quand on la laisse à la lumière, le processus chimique continue, la photo noircit. Donc elle n'est pas fixée. On ne pourra dire que la photo sera inventée que quand elle sera fixée et pérenne sur un papier. Niepce donc se fait construire une deuxième chambre de dimension plus petite parce qu'il a compris qu'il y a une relation entre le temps de pose et le volume de la boîte. Donc plus la boîte est grande, moins il reçoit de lumière. Et c'est avec cette boîte qu'il continuera ses essais pour obtenir des négatifs avec du chlorure d'argent. Dans cette pièce, on a les trois procédés qui ont été faits au tout début du processus de l'invention de la photographie dès 1816. Ces procédés ne se verront jamais faits par Niepce car ils ne se fixaient pas. Donc il y aura des procédés négatifs comme celui-là qui est au sel d'argent. On aura le muriate d'argent qui est également négatif et on aura plus tard la résine de Gaillac qui est positif, très jaune comme on peut le voir. Ces procédés ont donc été reconstitués par le CNRS et spécifiquement Michel Lourceau et Jean-Louis Marinier dans cette maison. La première invention des frères Niepce, c'est le pyréolophore. Et la dernière, c'est la photographie. C'est l'œuvre de Nicéphore exclusivement, la photographie. Le lien entre les deux, c'est le bitume de Judée. Alors nous avons ici donc des extraits de bitume de Judée, qui est un matériau issu de la transformation des végétaux, un peu comme le pétrole, dont Niepce se servait à la fois pour son moteur à combustion interne, le pyréolophore, et dont il va observer la photosensibilité, c'est-à-dire qu'il remarque que ce bitume durcit à la lumière. Donc il va faire des essais sur différents supports, notamment sur du métal, c'est ce qu'il faut retenir, en réduisant donc le bitume
en poudre, le mélangeant ensuite à de l'huile essentielle de lavande qui va constituer un solvant, et il va répartir donc ce mélange à l'aide d'un pinceau sur le métal. Ensuite, il place la plaque à l'intérieur de sa chambre, à l'endroit où il a précédemment fait la mise au point, et il va attendre donc de longues heures, puisque le bitume malheureusement est très peu sensible à la lumière. Donc ça peut aller jusqu'à 8 heures, à peu près une journée. Et ensuite, il enlève sa plaque, alors sans rentrer dans les détails chimiques, il va révéler donc cette image, mais c'est une image qui n'est pas reproductible, c'est-à-dire que l'image est unique. Il commencera par les toutes premières expériences qui seront des contacts. Les contacts, on en a des exemples ici, encore une fois reconstitués par Jean-Louis Marigny et Michel Lourceau. C'est donc, il prend une gravure, il la passe au vernis, ou c'est l'équivalent de la tremper dans l'huile, et il la mettra en contact sur une plaque comme celle-là. Et après exposition, il retrempera la plaque dans de l'essence de lavande, et l'essence de lavande va dissoudre les parties à nouveau, les parties qui n'auront pas reçu de lumière. Ne restera donc qu'un négatif comme celui-là, en le bitume de Judée qui reste et donc le reste qui s'en va. Et plusieurs mois plus tard, il aura l'idée de mettre de l'acide, de tremper la plaque dans l'acide. Et à ce moment-là, il aura une image qui, quand on enlèvera le bitume de Judée avec un détergent plus fort, deviendra positive-négative. Ce résultat, en fait, décevra Nicéphore Niépce parce qu'il trouve qu'il manque de subtilité. En réalité, il est déjà l'inventeur de la photogravure et il ne le sait pas. C'est toujours le même procédé qui, aujourd'hui, permet de faire des circuits imprimés et beaucoup d'autres applications. Donc, ce système, il le fera sur différents supports en espérant que ça marche mieux. Il le fera sur du cuivre. Là, c'était de l'étain. Il le fera sur du cuivre. Il le fera sur du verre. Il le fera sur de la pierre. Mais il n'est jamais tout à fait satisfait par les résultats. Ces procédés, quand on les ancre, permettent d'imprimer, ce qu'il ne fera jamais lui-même. Il n'imprimera pas ses photos lui-même, il les confiera à deux photograveurs. Niépce apprendra par un traité de chimie que l'iode attaque l'argent en le noircissant. Alors il aura d'un coup l'idée de se dire, est-ce que si je fais le même système sur une plaque d'argent, l'iode attaquera l'argent proportionnellement à l'épaisseur du bitume de Judée, et à ce moment-là, quand j'enlèverai le bitume de Judée, j'aurai une image positive avec des dégradés du noir au blanc. Alors il fera ici cette expérience, donc il mettra du bitume de Judée, il exposera, donc on a ici une photo de la maison en négatif. Il enfermera cette plaque dans une boîte à iode, dans une simple boîte avec des cristaux d'iode. Donc les vapeurs d'iode vont révéler, vont attaquer l'argent à travers ce bitume. Et quand il va nettoyer après l'opération le bitume, il obtiendra ça. Donc cette image, en fait, est une image, quand on la regarde très très près, qui a la finesse des meilleurs négatifs, voire meilleurs, selon Jean-Louis Marigny. Meilleur que les négatifs contemporains d'aujourd'hui. Cette image n'a qu'un inconvénient, c'est qu'elle nécessite 3 jours de prise de vue. Et à partir de là, c'est l'association avec Daguerre, il va développer un nouveau procédé dont le principe sera d'essayer de raccourcir le temps. La photo, le point de vue du gras qu'on connaît tous, en fait, est une version qui a été faite en 1827 et qui était la technique du bitume sous-exposé, et elle est beaucoup moins performante que ça. Il inventera ça en 28 et malheureusement, encore une fois, il n'existe aucun résultat de Niépce de cette période-là. Les seuls résultats sont d'avant la vraie découverte perfection de l'héliographie. Ce point de vue, capté en 1826 dans la demeure du Gras où vivait les Niépce, est considéré comme la première photographie du monde. On sait que depuis 1797, le besoin de la photographie existait. On trouve dans leur correspondance entre les deux frères, à l'époque où ils étaient en Sardaigne, ce besoin de fixer sur des plaques photosensibles des paysages et des lumières et des objets intéressants. Mais à l'époque, le sujet ne les intéresse pas majoritairement. Claude impose plutôt les recherches sur le pyréolophore. Mais ça germe en permanence et ça reste en permanence dans leur esprit, celui de Nicéphore, qui travaille en parallèle
sur tous les produits photosensibles. Nous entrons donc dans une pièce historique, puisque c'est dans cette pièce que fut prise la première photo qui soit, et la seule photo de Niépce qui soit parvenue jusqu'à nous. Les travaux de Jean-Louis Marinier, qui est donc le chimiste et spécialiste de Niépce de l'équipe, ont permis de trouver la position exacte de l'appareil en fonction des angles de vue. J'ai donc édité un premier ouvrage en 1999. Et dans ce premier ouvrage, je faisais aussi état de recherches où j'avais reconstitué par ordinateur en 3D la propriété de Niépce pour essayer de mieux comprendre dans quelles conditions il avait effectué la première prise de vue, la première photographie au monde par la fenêtre que vous pouvez voir dans la maison Niépce. Et donc dans cette reconstitution, je suis arrivé à un moment à un problème, c'est-à-dire que pour avoir une vue qui coïncide véritablement bien avec le point de vue de la fenêtre fait par Nicéphore Niépce, j'étais obligé de déplacer la fenêtre actuelle de 70 cm vers l'ouest. La recherche de l'emplacement de la fenêtre d'où était prise cette photo communément appelée le point de vue du gras, le gras étant le lieu dit de cette maison, nous a permis sur le plancher de l'époque de Niépce de retrouver l'emplacement, le départ d'une ancienne fenêtre qui se trouvait à droite de ma main, et le déplacement est très exactement de 70 cm. Donc, on connaît tous la première photo du monde sous cette forme. En fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'elle est. En fait, cette image a été faite fortement retouchée pour pouvoir être visible, imprimable, parce qu'en réalité, elle est extrêmement peu visible. La première photo du monde, en fait, ressemble exactement à celle qui est au-dessus d'elle, qui a été refaite donc par Jean-Louis Marinier ici même. C'est une photo donc qui était, c'était la technique en 1827 que Niépce utilisait de bitume sous-exposé. C'est une photo donc très très faible qu'on ne voit bien qu'en lumière incidente en la bougeant. Si on la regarde de face, on se voit soi, c'est plus un miroir. L'histoire de cette image, ce que Niépce nomme héliographie, donc hélios, le soleil en grec, donc ce point de vue, le point de vue du gras, donc le gras c'est le nom de cette propriété que Niépce possédait à Saint-Loup de Varennes. Alors cette image, elle a une histoire un peu particulière, c'est-à-dire que Niépce l'emmène avec lui en Angleterre lorsqu'il va rejoindre son frère Claude, qui est là-bas, missionné pour faire valoir donc le pyréolophore. Et il va offrir cette plaque à un naturaliste anglais, Francis Bower, qui va donc la conserver, et il va être retrouvé bien plus tard, dans les années 50, en 1952, par un historien qui s'appelait Helmut Gernsheim, qui en fera ensuite don à l'université d'Austin au Texas, où elle est encore aujourd'hui conservée, donc précieusement dans un caisson pressurisé avec de l'hélium notamment, pour ne pas qu'elle soit en contact avec l'air, avec la pollution, la poussière, l'humidité, etc. Niépce et Louis-Jacques Bandé Daguerre vont se rencontrer par l'intermédiaire de l'opticien de Niépce autour de 1827. Et dès le départ, on peut dire qu'entre les deux hommes, il y a tout de suite une fascination mutuelle, disons. Alors, Daguerre est fasciné par les recherches que mène Niépce sur l'enregistrement de l'image, et Niépce fasciné par le théâtre que tient donc Daguerre à Paris, le Diorama. Et un projet d'association va naître entre les deux hommes. Et Niépce y voit aussi l'occasion d'être introduit dans des milieux qui lui étaient jusqu'alors fermés, c'est-à-dire l'Académie des sciences, la sphère politique, artistique de la capitale. Et donc, grâce à cette association, les portes vont pouvoir enfin s'ouvrir. Nicéphore Niépce et Louis-Jacques Mandé Daguerre signent un contrat d'association en 1829. Trois années plus tard, lors de l'été 1832, ils mettent au point la technique du physototype. Le physototype donc, est un procédé différent de l'héliographie puisqu'il se fait
uniquement avec de l'essence de lavande. Et j'ai pu montrer qu'une des vues qui est connue de Nicéphore-Niépce et qui est perdue maintenant, qui représente une table sur laquelle est mis un couvert pour une seule personne, qu'on appelle la table servie, cette image-là avait été réalisée par ce procédé du physototype. Donc en août 2004, nous avons reconstitué cette table après avoir recherché les éléments chez différents brocanteurs. Nous avons reconstitué cette table et puis nous avons fait une prise de vue dans le jardin en bas de la maison Niépce, une prise de vue par le procédé du physototype, et nous avons donc reconstitué cette image et qui est maintenant donc exposée aussi dans la maison et que l'on peut voir, et donc elle donne une idée de l'aspect de ces images réalisées par Niépce et Daguerre ensemble pendant les étés des années 1830. Les travaux de Jean-Louis Marinier ont permis d'authentifier une photo un peu mystérieuse qui s'appelait la table servie comme étant un physototype à travers un témoignage d'une lettre qui indique que précisément sur ce physototype on avait donné une trace de doigt qui avait effacé le bouquet. Donc on sait maintenant que cette table servie est bien de Niépce à partir du procédé de Niépce et Daguerre. La collaboration entre Niépce et Daguerre a été très fructueuse. Elle a donc commencé en 1829. Daguerre est venu travailler dans cette maison 3 étés consécutifs. Et cette collaboration a pris fin à la mort subite de Nicéphore en juillet 1833. Ce qui a laissé le champ libre à Daguerre pour perfectionner son procédé seul à Paris et développer le daguerreotype qui a eu un immense succès et qui a fait sa réputation et sa fortune. C'est dans cette pièce que Niépce avait son atelier et qu'il prendra également beaucoup de photos. Son atelier où le bon Langlois fabriquait les boîtiers et cette fenêtre à laquelle il aura passé pas mal de temps. Il y a 5 fenêtres dans la maison où il travaille, c'est les 3 du premier étage et 2 fenêtres au grenier, celle du petit grenier plein sud et celle du grand grenier plein est. Pourquoi ces fenêtres? Parce qu'il y a des toits à photographier et comme il y a peu de résultats photographiques au début, il cherche les contrastes forts, les toits et le ciel sont un très très bon exemple. Il ne fera donc jamais de photos côté nord où il n'y a pas de construction. Donc ce qui est intéressant ici également, c'est qu'il y a des traces au sol, des traces de réparation des nœuds de bois qui ont sauté, et tout ça dans la zone de lumière. Il y a des quantités de plaques qui sont métal et clous d'époque qui bougent des trous qui ont été faits à force de fréquentation, et on a exactement la même réparation dans l'autre grenier sous la fenêtre côté est qu'il utilisait. On pense donc que définitivement ce sont des réparations faites soit par Nicéphore soit par le bon Langlois, son jardinier. Nous sommes ici dans le deuxième grenier, grenier où Niépce travaillera également notamment avec Daguerre. C'est vers la fin de sa vie qu'il utilisera cette fenêtre qui est plein est, parce que derrière les arbres d'aujourd'hui, il y a l'auberge de Claude, son frère, qui a le mérite d'être encore une maison avec un toit qui fait des contrastes comme il aime bien, et surtout un mur exposé au nord, ce qui lui permet d'avoir l'effet volume plus que quand il photographiait les bâtiments vers le sud. Les accessoires qui sont dans cette partie sont des accessoires d'époque, des trépieds, etc., y compris une laveuse qui appartenait à Petit Groffier, mais sur le modèle de celle que décrit Niépce, qui permettait de poser les plaques et de les nettoyer avec un arrosoir. Dans cette pièce, nous avons reconstitué le laboratoire Petit Groffier. Il contient tous les procédés photographiques, de l'albumine, collodion, daguerréotype, plein de produits qui ont été extrêmement nocifs, qui ont certainement tué beaucoup de photographes. Les vapeurs de mercure et d'iode étaient très nocives pour la santé. L'intérêt de ce laboratoire est qu'on a récupéré l'intégralité des accessoires, petits accessoires, qui sont très rares aujourd'hui et qui étaient tous dans la pièce. C'est dans cette pièce, le cabinet du grenier, fréquemment mentionné par Nicéphore Niépce dans ses lettres, qu'il réfléchira, écrira, prendra des notes. Il y a au mur encore une tapisserie qui est d'époque et une plinthe peinte en grise qui était donc son décor au milieu des deux greniers, endroit où il pouvait probablement faire la synthèse de ses recherches, et de là partait la porte qui l'amenait dans ses parties privées pour rejoindre sa famille.
Le 5 juillet 1833, Nicéphore Niépce meurt subitement chez lui. Il repose aujourd'hui au cimetière de Saint-Loup de Varennes, aux côtés de sa femme. Ce décès inattendu ne bouleverse pour autant pas Daguerre, qui concrétise ses études sur la photographie. L'histoire est en marche. À la mort de Niépce, Daguerre se retrouve donc seul avec l'héritage qu'il lui a laissé et va donc poursuivre la réflexion, les expérimentations dans deux directions essentiellement, la chimie et l'optique. Et il va permettre la réduction du temps de pose à quelques minutes seulement, ce qui va donc autoriser la pratique du portrait. Et tout de suite, donc, dès 1839, dès que l'annonce est faite au monde, à l'Académie des sciences, Louis-Philippe rachète le brevet, l'offre avec beaucoup de générosité au monde entier, le fait traduire en 18 langues. Donc c'est un succès immédiat, considérable, et un succès commercial, marchand. Puisque la pratique du portrait est possible, donc on va accourir en nombre dans les grands studios de photographie à Paris. C'est ce qu'on appelle la daguerréotypomanie, donc il y a un engouement considérable, avec toutefois quelques réserves, parce que c'est réservé à des populations qui ont un pouvoir financier relativement important. Et on pose donc quelques minutes et on obtient donc son portrait sur une plaque de cuivre argenté, donc qui ressemble à un miroir. On appelle d'ailleurs le daguerréotype le miroir qui se souvient. Et c'est en quelque sorte aussi le comble du narcissisme, puisqu'on peut se contempler en quelque sorte dans son propre portrait. Et donc, il y a tout de même encore des limites, puisqu'on est très très loin de l'instantané, qui n'arrivera qu'autour de 1880. Et lorsque l'appareil se déplace à l'extérieur du studio, donc les dispositifs qui permettent de maintenir immobile les candidats au portrait que l'on peut voir donc notamment contextualisés à travers les caricatures d'Honoré Daumier, ces systèmes qui permettent d'accrocher ces personnes, qui donnent des images extrêmement stéréotypées, très hiératiques, où les gens sont assis, accoudés sur des rebords de table, des dossiers de fauteuils. Alors tout ce dispositif-là, très rigoureux, ne peut pas être réinterprété dans l'espace extérieur, dans la rue. Et donc quand on pose l'appareil dans la rue, eh bien on ne peut enregistrer que ce qui est parfaitement fixe, donc les paysages et les éléments d'architecture. Au niveau du matériel utilisé, on s'aperçoit que c'est un matériel extrêmement encombrant, très peu maniable et relativement dangereux, puisqu'on utilise des produits tels que le mercure. Alors là, on ne voit qu'une partie des choses, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'on transporte l'appareil, on transporte les plaques, le nécessaire de chimie, mais on transporte également un système de pied pour pouvoir poser l'appareil, avec donc une logique de prise de vue qui est une logique de la frontalité. On voit les choses sur une logique sur cet axe-là. Et donc très peu de vues en plongée et en contre-plongée à cette période. Et puis il y a également une tente laboratoire pour pouvoir développer, travailler à l'abri de la lumière. Donc tout ce matériel réuni dans un sac à dos pèse extrêmement lourd et très peu pratique. Alors on comprend aussi très bien que si l'on souhaite une plaque, une image de ce format-là, il faut un appareil qui corresponde au même format. Donc c'était quand même beaucoup plus pratique de travailler avec des appareils de petit ou de moyen format qu'avec des appareils beaucoup plus importants. Et puis il y a un aspect des choses qu'on n'a pas souligné, c'est le fait que l'image ne peut pas être reproduite de toute façon. C'est une image qui est unique. Et on va donc évoquer dans un instant avec Talbot la première possibilité donc dans l'histoire de reproduire l'image à partir d'un négatif. Et donc c'est l'invention d'une pratique moderne de la photographie. Alors une étape vraiment déterminante a lieu avec les innovations apportées par William Henry Fox Talbot, qui va parvenir à enregistrer une image sur un support papier et à reproduire l'image. Donc dans un principe de la photographie moderne, négatif, positif, donc que l'on va illustrer à travers l'exemple de son procédé qui est le calotype. Donc kalos, c'est la beauté en grec, et typos, l'impression, qui est
Une invention qu'il nomme aussi de son nom, un peu comme Daguerre avait nommé de son nom le daguerréotype. Talbot appelle également son invention le talbotype. Donc la grande différence, c'est effectivement, par rapport au daguerréotype, le fait d'introduire dans la chambre photographique non pas une plaque de métal, mais du papier. Un papier sur lequel on a placé des émulsions photosensibles, des gallonitrates d'argent, donc à base de sel d'argent qui noircissent à la lumière. Et voilà le résultat qu'on obtient sur le papier. L'information est ensuite fixée. Donc tout ce qui était clair devient noir et inversement. Donc ça, c'est le principe du négatif que l'on connaît. D'ailleurs, il faut préciser que le terme négatif positif n'existe pas auparavant. Il va arriver à ce moment-là. C'est un physicien anglais, William Herschel, qui emprunte ce vocabulaire à l'électricité pour avoir plus de précision dans le discours. Si l'anglais William Henry Fox Talbot pose les bases de la photographie moderne grâce à l'invention du négatif, l'américain George Eastman, 57 ans plus tard, va imaginer un nouveau bouleversement avec son entreprise Kodak. Autre révolution considérable, domestiquer, apprivoiser le mouvement grâce à l'instantané qui est possible avec le gélatino-bromure d'argent, qui est une émulsion ultra sensible, dès les années 1880. Et puis ensuite, on va avoir donc un nouveau support qui est le film souple et qui va être utilisé notamment dans les appareils Kodak. Hein. Donc Kodak, c'est une invention américaine, l'invention de George Eastman, qui dès 1888 permet donc un appareil qui va démocratiser la pratique photographique puisque l'on appuie pour la première fois sur un bouton. Et donc le slogan va rendre célèbre la marque « You press the button, we do the rest ». Donc l'idée, c'est que tout le monde peut, à partir de ce moment-là, faire de la photographie. Ce n'est plus réservé à des professionnels qui connaissent la chimie, l'optique, les manipulations diverses. Donc c'est vraiment l'idée d'un appareil de famille. Et c'est un appareil qui est très simple à utiliser, qui est petit, qui est discret, que l'on va d'ailleurs surnommer « the detective hein, », parce qu'on pouvait le cacher et prendre des photographies de personnes à leur insu. Et on parle vraiment d'appareil à main que l'on peut prendre dans sa main. Et ce n'est plus une chambre photographique très lourde, très, très peu maniable, très, très encombrante. Dès que l'invention est communiquée au monde, les progrès sont immenses et extrêmement rapides. Et on peut constater qu'au 19e, toutes les bases vraiment sont jetées. Il y a une grande émulation, beaucoup d'innovations qui se mettent en place, notamment au niveau de la couleur. Hein, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que la couleur arrive très très tôt dans l'histoire. Les premières réflexions, les premières expérimentations, c'est en 1870. Et ensuite, on aura au début du 20e une démocratisation de la couleur avec les frères Lumière, qui sont beaucoup plus connus pour l'invention du cinématographe en 1895, mais qui sont également les inventeurs d'un procédé, l'autochrome, donc un des premiers procédés couleur qui va permettre cette pratique pour tous. Et le relief également, on n'a pas parlé du relief, mais le relief arrive au milieu du 19e siècle, et donc c'est une innovation extrêmement, extrêmement intéressante et importante. Et donc, au 20e, les grands bouleversements, c'est évidemment le numérique, la conquête spatiale, on peut en parler également, mais vraiment, il y a des perfectionnements importants, mais toutes les bases sont jetées dès le 19e et dès le début du 20e siècle.